Salut les fêlés du volant, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va parler des voitures que j'aimerais voir ou revoir sur le prochain Forza Horizon. C'est parti! Alors aujourd'hui, on va s'intéresser à une vidéo un petit peu particulière puisqu'on va parler des véhicules que j'aimerais voir ou revoir sur Forza Horizon 5. Forza Horizon 5 qui sort, je le rappelle, le 9 novembre 2021. Donc on a encore quelques mois devant nous. Étant donné que sur FH4, on n'a plus trop de sorties. Même plus du tout, plus de voitures. Et ben, je me suis dit pourquoi pas faire ce genre de vidéo qui existe déjà chez d'autres youtubeurs. Hein. Mais je vais le faire à ma sauce. Puisque je vous avais demandé votre avis sur Discord. N'hésitez pas à le rejoindre si vous n'en faites pas partie. Vous serez les bienvenus. Alors certains m'ont envoyé des photos de voitures un petit peu cheloues. D'autres m'avaient envoyé des voitures crédibles, mais la plupart du temps étaient déjà sorties sur un Forza Horizon. Là, en l'occurrence, on va parler que de véhicules que je n'ai jamais vus, en tout cas moi, sur un Forza Horizon. Premier véhicule que j'aimerais voir, c'est le Renault 12 Gordini. Voiture qui, pour moi, est superbe. Voiture que je n'ai jamais vue dans un Forza, ni même ailleurs, je crois. Et la version Gordini, pour moi, serait idéale sur Forza Horizon 5 au Mexique. Une voiture qui me rappelle justement certains pays chauds où les Renault 12 étaient populaires. Et je pense que la R12 Gordini aurait vraiment sa place. En plus des Gordini, on n'en a quasiment jamais vu. Et la R12, franchement, aurait, je kifferais la voir là-bas, quoi, vraiment. En plus, elle a vraiment la forme, un peu le décor cubain comme ça, avec ce genre de caisse, c'est vraiment top. Pour le deuxième véhicule, j'aimerais voir le Suzuki Escudo Pikes Peak version. Donc voilà, un véhicule qu'on avait déjà vu sur un Gran Turismo, hein, un vieux Gran Turismo, voiture qui était cheatée à l'époque une fois qu'elle était réglée. C'est une voiture qui est prévue pour les courses de côte et elle a quand même un V6 biturbo de 985 chevaux, c'est vraiment énorme pour 900 kg. Voiture qui a concouru de 1995 à 2005, qui a fait ses preuves. Donc franchement, ce véhicule aurait sa place. J'ai vu des véhicules bien pires et franchement celui-ci. J'aimerais trop le voir sur Forza Horizon 5. Ensuite, voiture que j'aimerais voir, vraiment, il y en a deux. Il y a la Ford Gran Torino de 76, voiture mythique de la série Starsky Hutch. Parce que bah, déjà dans Forza Horizon 4, elle n'y était pas. Et j'étais obligé de prendre une autre voiture pour la remplacer. Et c'est un peu dommage, parce que moi j'aime bien avoir... Il y a beaucoup de voitures de films dans Forza Horizon 4, où on pouvait avoir des livrées. Tels que Fast and Furious, l'agence Twisk, les James Bond, etc. Franchement, c'était top. Mais là, pour le coup, la Gran Torino de 76, j'aimerais vraiment l'avoir. Et aussi, la Gran Torino de 72, que je trouve monstrueusement jolie. Super belle, une belle vieille américaine qui m'a l'air bien énervée. Voiture que j'aimerais également avoir sur le Mexique. Pourquoi pas. Ensuite, qui dit Mexique ? 10 nouveautés, cabriolet, possibilité de décapoter en in-game. Donc ça, c'est vraiment ouf. J'aimerais avoir une Saab, même deux, hein, une ancienne et une récente. Mais plus particulièrement, la Saab 900. Saab, c'est une marque suédoise. Il y avait eu des rumeurs comme quoi sur FH4, on en aurait. Malheureusement, bah, on n'en a toujours pas vu et je pense qu'on n'en verra jamais. Par contre, sur le Mexique, sur Forza Horizon 5, ce serait une voiture que j'aimerais vraiment voir. Parce que déjà, on pourrait la décapoter. Et c'est une voiture qui, je trouve, est assez jolie, assez belle. Moi, j'aime bien. Voilà, c'est un véhicule que j'aimerais voir sur un Forza Horizon. Et pourquoi pas sur Forza Horizon 5. Prochaine voiture que j'aimerais voir aussi. Alors là, je suis un petit peu nostalgique parce que c'est une voiture qu'on avait déjà vue sur un FH, me semble-t-il. La Jensen Interceptor. Voilà, tout simplement. Voiture anglaise. Voiture ancienne. Mais que j'avais plutôt apprécié, qui avait de bonnes performances. Et puis c'est une voiture assez rare aujourd'hui, donc j'aimerais bien en revoir une sur un Forza Horizon 5 par exemple. Ensuite, là je pars un peu loin, je sais que il n'y a quasiment aucune chance qu'on en voit une sur FH5, mais je kifferais revoir les Spyker. Voiture qu'on a sur Test Drive Unlimited 2 par exemple. Les Spyker sont vraiment des voitures hyper jolies, intérieures comme extérieures. Et on a vraiment de tout, on a du cabriolet, on a par exemple la C8. Cabriolet, super joli, intérieur cuir, vraiment très belle voiture. Et on a aussi le C12 un peu plus prévu pour la course. Hein. Voilà, Spyker, c'est des marques que j'aimerais vraiment revoir sur un FH.
Pourquoi pas sur FH5? Alors, on a le droit de rêver, mais franchement, j'aimerais trop revoir ces bagnoles. Je les trouvais superbement efficaces et superbement belles en plus. Pour la suite, voiture que j'aimerais revoir vraiment avec pur plaisir. Pareil, voiture qu'on avait vue sur un Gran Turismo. C'est un concept car sorti en 2002. Le Cadillac Cien ou Cian, je ne sais pas comment on le dit. Donc voilà, hein, c'est un concept car qui célébrait les 100 ans de la marque. Donc voilà, V12, 7 litres 5, 750 chevaux. Superbe voiture. Changer un petit peu des Cadillac Escalade, limousine, etc. Franchement, le Cian ou le Cien, hein, je ne sais pas trop comment on le dit. C'est une voiture que j'aimerais revoir aussi. Voiture qui m'avait beaucoup plu. De ses formes, vraiment. Et puis, bon, rajouter un peu de concept dans un jeu récent, ça peut être pas mal. Je pense que le Cadillac Cien, j'aimerais bien qu'il y soit, vraiment. Ensuite, on va changer un petit peu de truc, hein. On va partir un peu sur l'Allemagne. J'aimerais voir aussi des Mercedes qu'on n'a pas vu sur FH5. Je vous donne un exemple, mais il y en a peut-être d'autres. Le Mercedes GLE. Voilà, le tout dernier. J'aimerais vraiment le revoir. C'est un véhicule, le GLE 450, c'est un véhicule qu'on n'a pas vu sur FH4. Et celui-ci, j'aimerais le voir sur FH5. Ça changerait un petit peu des 4x4 qu'ils nous proposaient à la base. Et celui-ci, en plus, il a l'air vraiment stylé. Donc voilà, j'aimerais pouvoir le tester et voir un peu ce que ça donne sur les hors-pistes de FH5. Et du coup, je vous donnerai un dernier véhicule que j'aimerais voir aussi, que je trouve pas mal du tout. Alors, pas mal du tout. Je le trouve laid, très lent, mais pas mal pour une seule chose. Je vous explique. En jouant à Dirt 5, je me suis rendu compte qu'ils avaient ajouté pas mal de concept cars. Et ça, j'ai trouvé ça plutôt cool pour Dirt 5. Et ils avaient ajouté le Audi i-Trail de 2019. Alors, c'est un véhicule tout droit sorti de la planète Mars. Hein. On dirait un véhicule lunaire qui est prévu pour l'espace. Mais en fait, malgré qu'il soit lent et pas très joli, je le verrais super bien dans FH5, dans le décor un peu jungle, un peu forêt. Étant donné qu'on a un toit panoramique, qu'on est quasiment les côtés latéraux soient découverts, vitrés, qu'on puisse voir au travers, ça pourrait être une superbe voiture pour faire des photos un peu à la Jurassic Park. Ce serait vraiment top. Véhicule que j'aimerais voir. Même si niveau performance, c'est pas top. C'est un véhicule électrique, mais qui n'est pas vraiment top. En tout cas, sur Dirt 5, il est vraiment pas ouf. Mais ce genre de véhicule, j'aimerais vraiment le revoir. J'aimerais vraiment voir ça sur un FH. En plus, la beauté des graphismes, etc. Ce serait vraiment, vraiment, vraiment ouf. Voilà. Alors, je sais qu'il y avait plein d'autres véhicules que vous auriez aimé voir. Mais bon, je pouvais pas passer une heure sur la vidéo pour tout expliquer. Il y a tellement d'autres véhicules que j'aurais aimé voir. Hein. Mais je vous ai donné un petit échantillon de ce que perso et puis de ce que certains des abonnés et followers Twitch ont proposé. N'hésitez pas dans les commentaires à donner une liste de voitures que vous auriez aimé voir. Je serais super ravi de lire vos commentaires et de voir un peu ce que vous voulez voir dans le jeu. N'hésitez pas à partager la vidéo, ça fait toujours plaisir, à liker si vous avez aimé bien sûr, et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. J'espère que la vidéo vous a plu, en tout cas moi elle m'a fait super plaisir. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo, c'était Sebi. Allez, ciao ciao les fêlés.